Déjà 7h dans tout studio Télévision nationale d'Haïti, Delma 33 pour Prince Haïti. Bonjour Haïti, bonjour bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous matin là encore pour nous capable présenter toutes les informations qui a dominé l'actualité. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sur Télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points, deux nouveaux ambassadeurs remettent en lettre créancier à hier mercredi 21 février par le président de la République, Jovenel Moïse. C'est ambassadeur pays États-Unis Michel Jana Sisonan et ambassadeur pays Guatemala Rudy Armando Lopez. Conseil supérieur police nationale d'Haïti a répondu à la question sénateur hier mercredi dans le cadre d'activité qui porte nom mercredi contrôle. Plusieurs sujets qui ont rapport à la sécurité pays d'Haïti ont été abordés pendant la rencontre. Si 21 février marqué journée internationale langue maternelle. Célébration journée cela déroulé sous thème langue maman dans éducation. Oui, apprenant, c'est comprenant. C'était occasion pour Académie créole haïtienne installer 5 nouveaux académiciens avec 12 membres conseil consultatif dans l'institution SILA. Et puis à l'étranger, dans le pays États-Unis, Donald Trump prévoit mettre des amants dans les professeurs de l'école pour capable sécuriser l'établissement scolaire. Président américain mette l'idée ça dehors pendant un rencontre, l'été gagné ailleurs avec un rescapé fusillade à Paclanio et puis famille 17 victimes. C'est pour ça que Claude Namgué pour nous capoter pour un journal là. Cependant, n'a pas un petit coup de pause, n'a pas tourné tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour développement information. Et je nous dis dans grand titre, deux ambassadeurs tout neuf remettent la lettre qui baille au doigt pour fonction officiellement par Boïcite hier mercredi 21 février par le président de la République Jovenel Moïse pendant une cérémonie qui déroulait dans le Palais National. C'est ambassadeur pays États-Unis Michel Jana Sisonan et ambassadeur pays Guatemala Rudy Armando Lopez. Deux diplomates ont contribué à renforcement du rapport d'amitié entre pays d'Haïti et pays dans divers domaines, tant que Kilti, lutte contre la catastrophe naturelle et l'autre encore. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay étaient sur place. Y'a dit non plus. Ambassadeur tout neuf pays États-Unis, Michel Jeanne Sisson, vient remplacer dans poste ça diplomate Peter Mellrin qui prend retraite depuis février 2017. Michel Sisson dit li prêt pour renforcer rapports amitié entre Haïti et États-Unis. D'autant plus, li déjà une expérience diplomatique en Haïti, sorti l'année 1982 pour arriver 1984. Je suis tellement content d'être ici. J'étais ici à Port-au-Prince en poste comme jeune diplomate entre les années 1982 et 1984. Alors, c'était toujours ma rêve de rentrer en Haïti, en service diplomatique. Alors cela a pris 35 ans, mais je suis là et je suis prête à travailler étroitement avec le gouvernement et le peuple haïtien pour renforcer les liens bilatéraux entre nos deux beaux pays. Je suis tellement contente d'être ici aussi parce que j'ai eu un grand respect pour le peuple haïtien, la culture haïtienne, l'histoire fière de ce beau pays. Ambassadeur Guatemala, Rudy Armando Lopez, Bokote Pal, dit pays libre pour travailler dans tête collée à Haïti pour offrir l'État haïtien compétences dans le domaine gestion risque et désastre. En el tema de tourisme. J'ai parlé au président sur la possibilité de travailler sur des accords bilatéraux afin qu'on puisse collaborer dans le sens de la prévention des catastrophes naturelles et le développement du tourisme. Guatemala, c'est un pays très sismique en fait. On a des failles qui sont pratiquement dangereuses et ça fait déjà 25 ans qu'on travaille pour pouvoir prévenir ces genres de catastrophes et on pense avoir les connaissances nécessaires pour partager tout ceci avec Haïti. Nous avons l'expérience pour pouvoir transmettre à Haïti. Dans environ 4 jours encore, Haïti a parlé pour recevoir 29e rencontre intersessionnelle CARICOM
côté question risque et désastre dans la région, après le débat pendant 2 jours sous différents aspects. Nous avons quitté le pouvoir exécutif, là, nous avons aller dans le pouvoir législatif, là, et nous avons dit dans le grand titre tout. L'Assemblée sénatoriale attendait, mercredi 21 février, membre conseil supérieur police nationale. Là. Rencontre ça qui rentre dans le cadre d'activité Sénat qui peut être nommé mercredi contrôle, permet à sénateur de toucher divers points qui ont rapport avec 10 faits qui éclatent dans la démarche publique en bas de la ville de Port-au-Prince, démarche pour capable supporter les marchands victimes et puis conditions de travail policiers. Dans l'occasion, président Sénat Joseph Lambert, à président commission justice et sécurité Sénat Jean Renel Sénatus, présenté préoccupation par CSPN d'après yo qui doit agir pour capable porter correction à nous suivre. Tel l'incendie du marché en fer dans la soirée du lundi au mardi, le marché Hippolyte, l'incendie de la matinée du dimanche du marché dénommé Guérite, et également un ensemble de fausses alertes du côté de Léogane et du côté de la Télévision nationale d'Haïti. Nous invitons donc le président de la prestigieuse Commission justice et sécurité publique du Sénat de bien vouloir gravir la tribune pour une mise en contexte. Nous devons connaître avec CSPN qui mesure au plan déjà, puisque le Premier ministre là comme chef de gouvernement, pour yo recapitaliser les marchandises. Des marchandises qui étaient achetées à crédit, ou du moins qui prenaient des prêts dans mes banques, et tout le bagage est boulé. Est-ce que des mesures déjà qui prend? Si des mesures qui sont en perspective, pour le ministre a fait nous connaître qui ça oui. Et dernière question et souci que nous gagnons au niveau commission, nous estimons gagner un chirépit entre ministre justice là avec commissaire gouvernement Port-au-Prince là. En de commission justice là, nous prenons note de ça parce que nous à travers la presse, on lettre commissaire là écrit à ministre là pour lui remettre démission. Nous on lettre responsive que premier ministre là bail pour le dire à commissaire gouvernement, pas de problème, restez dans le poste là. Maintenant, premier ministre là, ministre justice là, ni pas une lettre. Premier ministre en pays, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, qui est tout président conseil supérieur police nationale là, annoncé enquête sous effet qui boulait des marchés publics en bas la ville de Port-au-Prince. A fait chimeli sans problème. Chef gouvernement annoncé que l'équipe li a déjà entreprenant yon ensemble démarche pour capable supporter machin victime yo. Esaïe Aurélius ak Moïse Brich était sur place. Nous gagnons soit des incendies ou encore nous gagnons de fausses alertes, comme l'a dit le président, d'incendies depuis lundi gras. En ce qui concerne incendie marché Guérite, nous avons enquête de police et enquête judiciaire qui est en cours. Et comme nous connaissons, enquête pas qu'à faire objet de publicité, nous pas capable de partager devant écran télévision détails concernant enquête qui est en cours et cela pour les besoins de la cause. Ça me voulait parler de marché en fer là. Mais en ce qui concerne marché Guérite, dernière information qui gagne, bien sûr, enquête n'a pas continué et gagne arrestation qui fait et incendie ça, l'État ont incendie accidentel. En ce qui concerne les autres cas, je vais éterniser M. Souyo parce que le président lui-même
dans la présentation, il parlait de fausse alerte. Ma réponse à différentes questions qui étaient posées et tout de suite après, DG la police, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, commissaire du gouvernement, secrétaire d'État sécurité publique, yoka ajouter des éléments de réponse à ça que m'a bail. M'ka profiter occasion une fois de plus pour me présenter solidarité gouvernement à toute machine qui est victime de incendie ça à savoir incendie marché en fer et incendie marché guérite. Et me profiter occasion tout pour me renouveler, n'est-ce pas vrai, ça que le président de la République te dit, ça que nous-mêmes nous dit, administration Moïse Lafontaine, li avec yo, la pancadre yo et la aide yo passer mauvais cap ça que y a passé là pour yo pour nous capables recapitaliser yo pour yo ka reprendre, n'est-ce pas vrai, business yo en main parce que marchand ça yo yo représente pierre angulaire économie haïtienne. N'a toujours été dans le cadre de rencontre là dans le Sénat République là, directeur général de la police nationale d'Haïti à Soubopal, Michel-Ange Deyon, qui était accompagné président CSPN là, pour des précisions sur ensemble travail qu'a fait pour capable améliorer conditions de travail à la vie policière. Il y a un plan de développement 2017-2021 déjà préparé pour prendre en considération travail à plan pour capable sécuriser la population haïtienne. Esaïe Aurelius et Moïse Obrichat sur place qui a porté un morceau dans la déclaration de GIA. Plan de développement 2017-2021. Fort de plan ça, il y a tout un ensemble d'événements que nous-mêmes nous connaissons, nous avons pour nous gérer. Et en pile d'événements, ça va nous gérer pour nous. Gain a commencé déjà. Octobre 2017, pas de ministre. Printemps 2020, pas de ministre. 2019, n'a pas d'élection. 2021, n'a pas d'élection. Et nous-mêmes, PNH, et justement avec casquette de proactivité, ça fait que nous sommes obligés de prendre toute disposition pour nous capables de compenser la vidéo et parer tout à l'événement qui va venir. Nous avons fait promotion en petite quantité pour nous capables justement de retrouver et joindre des salles de classe pour nous continuer avec la formation continue. Donc, je dis en là, rien que dimanche, nous gagnons 29e promotion qui rentre. Les gagnants là dans 750 policiers, aspirants policiers. Et comme nous sommes sensibles à la question du genre, dans 750 ça, gagnent 216 femmes là-dedans. Nous utilisons pratiquement 8 salles de classe. Non, et 16 salles de classe. Nous sommes censés gagner 8 salles qui sont disponibles pour recevoir policiers qu'on y a dans la question formation continue, formation unité spécialisée, UDMO, CIMO, DCPJ, notamment BLTS. Et lorsque vous parlez tout de formation, vous n'êtes pas capable de négliger les cadres et les cadres intermédiaires de l'institution. Et à cet effet, Académie de police noire, il faut faire la différence, nous avons une école de police et une académie de police. Académie de police noire, il est supposé, il est très en mouvement pour l'année 2018. Ça. Nous avons gagné des officiers médecins qui ont formé là-dedans. Nous avons gagné tout plus de 200 inspecteurs qui prennent formation pour grade que même gagné sous deux. Et nous avons gagné 100 nouveaux commissaires qui prennent rentrer en académie.
Donc, même si on a intervenu vers le bas, nous avons intervenu tout vers le haut parce que la question de la formation est indispensable à développement institution. N'a quitté le Parlement haïtien que Chita Soubissan de Port-au-Prince, nous prenons dans le dossier santé, puisque le ministère Santé publique et population, en bas patronage première dame République, la Martine Moïse, inauguré hier mercredi 21 février, Institut national supérieur formation sage femme. Une cérémonie qui était faite en présence du directeur général du projet intégration et développement pays Mexique, ministre développement international et francophonie pays Canada, Fonds Nations Unies pour population, cadre et employé ministère et puis avec l'autre institution encore. Rachel Saint-Fort et Michel Joseph étaient sur place. Y a dit non plus. C'est dans l'idée pour former ressources humaines qualifiées et compétentes dans le domaine santé, ministère santé publique et population inauguré Institut national supérieur formation sage-femme. Institution ça qui pour rôle former dans bonnes conditions sage-femme professionnelle capable de dans combattre et puis diminuer taux mortalité maternelle et infantile. Sage-femme ça là pour faire éducation jeune dans santé sexuelle et reproductive. Accompagner, soigner et puis conseiller femmes qui par enceinte ak sak enceinte pendant grossesse, fait accouchement, bâti bébé soin, conseiller dans allaitement, planification familiale. L'ouverture de l'École nationale d'infirmières sages-femmes en l'année 2000 et la création de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes, INSFSF, par le décret du 27 janvier 2011. Offrant deux filières de formation, 18 mois pour les infirmières diplômées, 36 mois pour les diplômées Bac 2, présente de nouvelles options au MSPP pour renforcer la gamme de soins. Le but de ce programme de formation est de former des sages-femmes qualifiées et adaptées aux besoins de la société haïtienne, tout particulièrement en matière de santé maternelle et infantile. L'inauguration aujourd'hui de ce temple du savoir est une véritable fierté pour l'équipe de l'INSFSF. Elle témoigne aussi de la nécessité et de la vitalité de notre nouvelle profession dans le pays. C'est un défi aussi, dans la mesure où il doit sortir des cadres compétents pour la prise en charge globale des femmes enceintes et des nouveau-nés. Cet alma mater restera le temple du savoir et de la formation des sages-femmes. Réduisons ensemble la mortalité maternelle et néonatale en Haïti à partir de nos sages-femmes compétentes. Dans l'occasion, un partenaire international qui aide dans la construction du bâtiment, sa mise en place, curriculum, formation, institution, renouveler l'engagement pour continuer à aider le gouvernement dans le effort à faire pour permettre la population haïtienne d'avoir accès à soins de santé. Avec des taux élevés de mortalité maternelle et des grossesses chez les adolescentes, le besoin de sages-femmes professionnelles se révèle très élevé. C'est donc pourquoi le UNFPA en Haïti rejoint le gouvernement dans sa stratégie de santé reproductive et supporte le rôle des sages-femmes. Oui, je suis convaincue qu'une sage-femme formée professionnellement est la meilleure défense contre les mauvaises pratiques. Deux nouvelles contributions du Canada. La première permettra à l'Institut de former 610 sages-femmes supplémentaires et de créer deux écoles satellites afin d'augmenter l'offre de services dans le Sud-Est, le Nord-Est et Grand-Anse. La deuxième contribution, la deuxième annonce d'une valeur de 550 000 $ appuiera l'organisation Zamni La Santé. Cette initiative, on veut aider les femmes et les filles victimes de violences sexuelles à obtenir des services améliorés, des soins de santé et de l'assistance juridique. C'est 58 étudiants qui ont bénéficié de formation Institut national supérieur formation sage-femme à profil communauté. Il y a environ une quarantaine d'enseignants monitrices terrain.
D'après responsable yo, nouveau bâtiment ça respecte règles parasismiques yo, li gen équipement moderne, li gen cafétéria, infirmerie, archives, salle simulation, laboratoire informatique, dortoir, salle réunion, différentes salles cours, bibliothèque, bloc sanitaire. Merci Rachel ak Michou. Dans dossier dit fait, yon délégation parlementaire visité hier mercredi 21 février a marché million ki chita sou Bodmeya après gros dit fait ki te pété dimanche 18 février nan marché Sila. Délégation sa ki te gen la dani président commission affaires sociales Sénat République la, Yannick Pierre, sénateur Dieudonné Luma Etienne, président commission droit femme dans Sénat République la, sénateur Gracia Delva. Trois jours après gros difé qui t'est éclaté dans marché million, sénateur Nord Dieudonné Luma Etienne qui t'est gen ak li sénateur Nord-Ouest la Yannick Pierre ak sénateur Latibonite Gracia Delva visiter marché victime yo. Déblayer marché a joine assistance psychologique ak assistance sociale, ces différentes revendications parlementaires recevoir dans même marché victime yo d'après président commission condition femme ak droit femme yo dans Sénat Dieudonné Luma Etienne. C'est pour nous venir solidariser nous avec machin yo femme tant que garçon qui jodi en deux bras balancés après l'amour par rapport à ça que du fait en fait yo. Et en même temps c'est pour que ça ca aider nous mieux jouer rôle parlementaire nous mieux jouer rôle de contrôle nous en tant que parlementaire puisque nous connaît que exécutif là est en montée yon commission interministérielle qui pour chita sous problématique marchand yo et nous t'est venu pour nous sûr que tout ba a évolué bien et en même temps pour nous prendre doléances yo permettre marchand yo qui victime n'en bénéficier aide à assistance c'est priorité président commission affaires sociales Sénat Yannick Pierre qui dit li pral travail pressé dans tête collée à comité interministériel là pour répondre à revendication marchand qui victime yo. Un ensemble de monde qui prend radio chaque jour qui a dit aux victimes, mais nous-mêmes, nous, à la recherche de vraies victimes, yo. Parce que nous avons pas les chaudières à monter, et bien, sous nos grands monde pour le descendre sous nos petits monde. Et ça a été fait en Haïti déjà. C'est ça qui permet que aujourd'hui, nous venons faire état des liens pour nous sûr, et bien, ça qui va venir, yo va aller dans de bonnes directions. Plusieurs marchands pas de cacher satisfaction suite à la visite, ça. Yo souhaité sénateur au travail à l'autre instance dans l'État pour permettre de reprendre l'activité. Nous remercions Chambre Sénat, Jodia, qui vient visiter nous, qui vient faire visite des lieux pour nous, pour nous aider. Nous remercions tout le monde, tout machin de marché Hippolyte, nous remercions toute instance qui était campée ensemble avec nous. Merci. Gati, nous faisons connaître que d'ici vendredi, si Dieu veut. En disant, la venue, la commencé à faire des blagues. Et c'est lui-même que nous avons prétendu en pile. Si lundi, si Dieu veut, il était capable de nous possibilités pour nous commencer à chita, franchement, nous sommes contents. Et nous sommes contents et nous disons merci en pile. C'est ça qui est important pour nous. N'a pas rappelé, dit fait ça qui était éclaté dans le ral marché Hippolyte là, qui était plusieurs centaines de marchands des bras balancés. Député Mibaléa Abel Décolline annonce li écrit président République la Jovenel Moïse sur un ensemble point qui ta dû représenter priorité caravane changement dans département centre pays d'Haïti encadré petit ak moyen entreprise sécurité agriculture ak élevage et puis affaires courant électrique c'est parmi point ça yo parlementaire cité. Abel Décolline encourage administration Moïse là à gouvernement Lafontaine pour capable faire une évaluation sur potentialité département cela gagné. Esaïe Aurelius ak Prince Richard dit nous plus. Lettre tout l'ouvrir ça li articulé sous un ensemble de propositions sous ça qui doit être fait comme activité comme projet pour aider à ce que département du centre li capable développer pour que le département du centre li capable si volonté président Vlessa bénéficier de projets durables à travers l'aide tout l'ouvrir ça notamment comme vous le savez le président de la République entre autres promesses li dit dans 24 mois un peu moins même journée jodiyan la permettre que Haïti gagne courant 24 sous 24. Il proposait à président Jovenel Moïse si vraiment il voulait choisir un département pilote pour que
courant 24 sur 24 là li possible, eh ben youn nan rare de département nan pays côté ça capable réaliser ces départements du centre. Pour qui ça département du centre capable pilote nan question courant 24 sur 24 là, plateau central comme vous le savez, c'est lui-même qui gagne la donne centrale hydroélectrique Peligue qui capable produit entre 45 et 54 mégawatts d'électricité. Donc, dans la proposition nous fait dans l'aide Toulouse-Rissa, nous demander à ce que le président de la République, le gouvernement en place, est capable de veiller à la réparation qu'a faite dans le barrage Peligue en termes de qualité et utiliser bien évidemment potentiel énergétique ça pour alimenter les 13 communes et les 35 sections communales. Mais à côté de centrales hydroélectriques Peligue, il y a un autre patrimoine énergétique encore qui n'est en plateau central, département du centre, c'est Ondvet qui n'est arrondissement de Belader, qui est capable lui-même, si il y a une réparation qui est faite, produit entre 6 à 8 mégawatts d'électricité. Donc voilà, il y a un élément de proposition yo nous fait avec le président de la République. Un séminaire formation lancé hier mercredi 21 février pour plus passer 300 nouveaux policiers qui fait affecté dans direction départementale ouest police nationale d'Haïti. Séminaire formation ça cap bout jeudi a déroulé sous accueil et intégration policier qui fait partie 28e promotion PNH là. Directeur départemental ouest PNH la commissaire Berson en séjour félicité direction générale la police pour démarche cela en nous souvenant bout la déclaration de Miko Richardson Jordan et Michel Joseph. Ce séminaire vise à les accueillir comme tout gestionnaire, donc nous les accueillons pour les expliquer la PNH, le fonctionnement de la direction départementale et aussi pour leur inculquer quelques informations sur la sociologie du milieu du département de l'Ouest et aussi de leur parler de la vision de la direction départementale et pour leur prévenir, pour leur donner des mises en garde, pour leur conseiller comme nous sommes des anciens, nous avons fait au cours de notre carrière des erreurs, nous ne souhaitons pas et nous ne voulons pas que ces nouveaux policiers tombent dans ces écueils. Donc c'est la raison, c'est le but principal de ce séminaire pour les expliquer, leur parler et pour être capable de comprendre. Ils ont commencé pendant le carnaval là, ils ont fait premiers amis, ils ont vraiment bâillé un coup de main considérable à la direction départementale de l'Ouest et c'est l'occasion publiquement pour que la direction départementale a félicité eux, policiers de la 28e, vraiment merci, félicitations, vous avez respecté les consignes, on n'a pas eu aucun incident, on n'a eu aucun incident impliquant les policiers de la 28e, ils étaient là, ils ont respecté les consignes. Au cours de ces deux jours, donc ce sera un échange, vous venez de l'Académie, de l'École nationale de police. Donc vous avez vraiment eu beaucoup de formations théoriques et c'est l'occasion, vous avez déjà commencé à travailler durant le carnaval, donc vous allez voir les difficultés, vous allez discuter avec le commandement de l'Ouest, avec les formateurs, pour ensemble on puisse d'abord partager nos expériences et aussi vous prémunir d'outils afin de vous permettre de ne pas tomber dans des problèmes, notamment de la question des droits de l'homme. Et nous te dit tout dans grand titre dans occasion 21 février qui c'est journée internationale langue maternelle, Académie créole haïtienne installé 5 nouveaux académiciens et 12 membres conseil consultatif là. Célébration journée ici là déroulée en baptême langue maman en éducation. Oui, apprendre, c'est comprendre. Daline Dorival, à KVP, a présenté nos reportages. 5 nouveaux académiciens et 12 membres conseil consultatif, c'est quantité personnalité académique créole haïtienne installée dans l'occasion journée internationale langue maternelle. Une représentant nouveau académicien, Rachel Charlier-Doucette,
Dio prend engagement pour permettre langue créole la jeune place li dans société a et puis travaille pour droit moun qui parle créole seulement yo respecté. Nous prenons engagement devant nous toutes ici là devant pays pour nous travailler pour langue créole là réussir jeune place li doit gagner dans mitan société a. Place ça m'a connait à respect droit linguistique population pays d'Haïti. C'est une mission qui est importante, nous. Et nous-mêmes, nous voyons académiciens, nous croyons dans la mission ça. Parce que nous croyons que pays n'a pas qu'à sortir dans le système de l'injustice, inégalité, fausse côté qui caractérise là, s'il n'est pas respecté droit de tout citoyen haïtien. Et dans le temps, droit ça. Doit linguistique doit recevoir en pile attention. Langue maman c'est identité. Langue maman c'est nam nous. À travers langue ça nous senti nous exister. Ces déclarations ministre Kilti à communication Limon Toussaint qui promet administration Moïse à gouvernement Lafontan pape suspend accompagner académie créole haïtien. Thème jodia c'est langue maman dans éducation. Oui, apprendre pour comprendre. C'est vrai, créole là a facilité dans l'école, dans l'université, dans le centre professionnel, éducation, tout le monde. La permettre à côté de notre langue que tout élève, tout étudiant, tout apprenti, ouais, puis clair, puis comprendre. Dans ce sens, il y a nécessité pour nous renforcer la traduction livio à écriture livio en créole et apprentissage créole là tout. Président de l'Académie créole haïtien, Pasteur Poris Jean-Baptiste, souhaitait autorité au pral travail pour permettre l'en créole là tout net, une outil communication CARICOM. Haïti prend langue créole là, comme une langue officielle dans CARICOM, n'a créé un pile job pour haïtiens. N'a problème la question de traduction, n'a créé un pile job parce que là où on marchandise à le vendre, n'importe côté, dans un CARICOM là, ou après des étiquettes en créole, ça fait promotion non seulement pour langue créole là, mais pour nous comme haïtiens. Et puis on a décomplexé nous comme peuple, parce que nous avons besoin de décomplexer nous, et sans compter tout haïtien qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France, en nous baillant la population, nous avons une chance. En ont adopté langue créole là comme langue officielle dans le territoire. Langue maman dans l'éducation, oui, apprendre c'est comprendre. C'est sous thème ça, célébration journée internationale langue maternelle là déroulée à Nessa. Et c'est là nous fermons un chapitre local là, nous pourrons aller à l'étranger, particulièrement dans le pays États-Unis. Côté que le président américain Donald Trump a léché à parler hier mercredi, avec un lycéen rescapé par Clanio avec une famille 17 victimes dans la fusillade qui était passée. Et bien, pendant la rencontre, là, numéro 1 États-Unis partagé l'idée pour être capable de mettre des armes dans les professeurs de l'école. Une façon pour capable sécuriser institution scolaire. On nous suivre un reportage avec Euronews. Face à des rescapés et des proches de la fusillade du lycée de Parkland, un Donald Trump sérieux voire impassible qui dégaine une idée. Armés, les enseignants les autorisaient à porter une arme dans l'enceinte des écoles, mais pas tous. Trump a aussi répété qu'il allait prendre des mesures fortes sur les vérifications des antécédents des acheteurs d'armes, ce à quoi ce lycéen presque en pleurs a répondu. Je lisais encore aujourd'hui qu'un jeune de 20 ans est entré dans un magasin et a acheté un AR-15 en 5 minutes avec une pièce d'identité périmée. Comment ça peut être aussi facile d'acheter ce type d'arme ?
to buy this type of weapon. Puis dans un silence total, Andrew Pollack perd l'une des 17 victimes. Combien d'enfants doivent-ils être tués? Ça doit s'arrêter ici avec cette administration et moi, et je ne dormirai pas jusqu'à ce que ce soit réglé. Selon Trump, 20% des enseignants pourraient porter une arme dissimulée aux yeux des enfants et suivre une formation spéciale. Ceci pour empêcher, je cite, les maniaques d'être aimantés par ces lieux sanctuaires que sont les établissements scolaires. C'est dans le pays de la France, le président libérien Georges Weah choisi pour lui capable d'attendre mes premières visites officielles sur le continent européen. Un déplacement qui chita sous question espoir qui est capable de monter changement pays Libéria. Euronews pour plus de détails. Ancien enfant des rues, star du football dans les années 90, il est devenu président de son pays, le Libéria. Georges Weah a choisi la France pour son premier voyage officiel, une visite placée sous la thématique du sport qui serait un vecteur de changement pour le Libéria, un des pays les plus pauvres du monde. Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé le lancement d'une initiative dotée d'un budget de 15 millions d'euros. Nous avons lancé aujourd'hui une plateforme de transformation par le sport que nous allons ensemble décliner sur le continent africain. La FIFA était présente avec nous, la NBA également, plusieurs fondations montées par des athlètes ou d'anciens athlètes. Au Libéria, c'est le sport qui a permis de désarmer les enfants soldats après 14 années d'une guerre civile qui s'est achevée en 2003. Et c'est le sport qui a changé la vie de Georges Weah. Je suis sorti de la rue parce que j'ai eu l'opportunité de m'investir dans mon sport. Et aujourd'hui, je suis président de la République du Libéria grâce au sport. La France va donner 10 millions d'euros au Libéria. Georges Weah pourra compter sur le soutien de l'ancien attaquant de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, et sur celui de Kylian Mbappé. La nouvelle star du football français, âgée de 19 ans, a promis de s'investir pour le sport africain. Et c'est sous dernière information, ça n'a pas mis en bout dans le journal là. Mais avant de nous dire, papa, il permet que nous rappelions au grand point qui dominait l'actualité. Deux ambassadeurs tout neufs remettent une lettre qui bail doit prendre fonction officiellement par Boïsite par président République la Jovenel Moïse pendant une cérémonie qui déroulait hier mercredi à la Palais National. C'est ambassadeur pays États-Unis Michel Janan Sizona et ambassadeur pays Guatemala Rudy Armando Lopez. Conseil supérieur police nationale la répond à question sénateur yo ayen nan kada activité qui pote nom mercredi contrôle plusieurs sujets qui gè rapport ak sécurité pays d'Haïti te chita nan rencontre si la 21 février a marqué journée internationale en langue maman. Célébration journée ça déroulé sous thème langue maman nan éducation, oui apprendre c'est comprendre. C'était occasion pour Académie créole haïtienne installer 5 nouveaux académiciens et 12 membres conseil consultatif dans l'institution SILA. Et puis à l'étranger, dans le pays États-Unis, Donald Trump prévoit mettre des amis dans les professeurs de l'école pour capable sécuriser l'établissement scolaire. Président américain mette l'idée sa dehors pendant yon rencontre l'été gagné hier mercredi avec un rescapé Paklanyo et puis famille 17 mounan qui perdit la vie pendant fusillade qui passait 14 février passé. Nous te contents ensemble avec vous, mais avant que nous allions permettre que nous disions bon anniversaire à collaborateur nous Esaïe Aurelius qui a fêté jeudi à la nouveau printemps et nous disons bonne fête à tous scouts avec guide en Haïti ou à l'étranger, puisque jeudi 22 février, c'est journée mondiale, mouvement Scout là. Bon jeudi à tout le monde, c'était Vision Nationale d'Haïti.